Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet Horror Coordinate épisode 9. Je suis actuellement dans le noir complet et j'espère que vous aussi pour cette première vidéo d'horreur sur Slender The Arrival. Et nous allons tout de suite lancer ce jeu. Pour la petite histoire, j'y ai déjà joué avec des potes, ça fait une soirée, sauf que là je viens de remarquer que j'ai recommencé le jeu. Ah, j'ai pas eu le temps de... Pourquoi c'est flou et dégueulasse? Je crois que j'ai recommencé le jeu par erreur. Je voulais juste faire la session des 8 pages en fait. Oh là. Yes! Ah, attendez, je la place sur le bureau. Et ce n'est pas en ZQSD, attendez. Quoi? Gameplay? Attendez. Attendez, est-ce que la manette est compatible? Ouais, la manette est compatible, c'est bon. On va jouer à la manette. Parce que je vais pas jouer en WSD. Alors! Voilà. Ok, ça commence bien. Sensibilité de manette est pas ouf. Look, sensibilité, height. Ouais, nickel. Ça c'est pour courir, d'accord. Ah, ça aussi c'est pour courir. On a deux boutons pour courir. Ah, c'est bizarre parce que là... La vitesse est pas pareille pour en haut et en bas. Bon. Ceux qui connaissent le jeu... Me semble que je suis plutôt safe par ici. Ce qui fait pas... Non, en fait, ça va être très très chiant. Je vais garder en médium. C'est quoi le... Get to Kate's house. On va courir un petit peu quand même. Attends, je peux appuyer dessus, pourquoi ça c'est mieux que de péter mon stick. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer le speech du jeu. Je pense que tout le monde connaît Slenderman. Et même de toute manière... Ah, rester appuyé sur B, d'accord, ça nous permet de nous... baisser. You don't have a flashlight. Ah oui, Y c'est pour la flashlight. D'accord, en fait j'ai trois boutons. J'ai trois boutons pour courir. Est-ce qu'on court plus vite quand on appuie sur les trois? C'est une vraie question. Ah, je déteste ce genre de temps. Le temps où il y a du soleil, mais où il fait quand même sombre. C'est parce qu'il fait dégueulasse. On est d'accord, j'ai raté la porte. C'était là. Attendez, je suis déjà pas paumé en 2 minutes de let's play. Non, c'est pas par là. Non, bon, c'était bon, c'était par là. Ah, oh, mais la caméra, ça me fait penser à Outlast aussi. Quand je pense qu'il va falloir que j'y joue aussi. Donc ouais, pour ceux qui... Je l'annonce dans cette vidéo, mais... Un bruit bizarre. Et j'annonce cette vidéo. Ta gueule, oiseau. J'annonce cette vidéo, mais vendredi soir de cette semaine, je vais faire un live Outlast. Ouais, je sens que je vais regretter. Oh, on y a joué l'année dernière, je crois. Je me souviens plus du tout. Non, je sais plus quand est-ce qu'on y a joué. Karim, Guigui, cette vidéo vous est dédiée. Alors quand même, on est quand même suffisamment con pour aller quelque part la nuit sans flashlight. Left click. Ouais, d'accord, merci.
Ah. Ouais. Slenderman dans les bois. Alors j'ai vaguement souvenir qu'il n'y a rien au rez-de-chaussée. Ah si, pète un truc. Attendez, attendez, attendez. Je dis peut-être de la grosse merde. Super, je vois rien du tout, les mecs. T'as pas un nightshot sur ta putain de. De caméra? C'est que ça. Honoring the life of Beth Ayers. 18 octobre. Ah, donc Beth est morte. Ah, il y a un truc qui brille. Et c'est une light torch, donc j'ai bien fait. Oh, cette bain dégueulasse. J'ai des piles ou pas sur la torche? Fermé. Un truc qui est quand même. Attendez, j'essaie de trouver comment on zoome avec la lampe torche. Ok, comme ça. Un truc qui est quand même paradoxal, c'est que. Très con. C'est très con d'avoir fait ça. Un truc qui est paradoxal, c'est que j'attends l'époque avec impatience l'époque de l'année où je jouais des jeux d'horreur. Mais je déteste jouer à des jeux d'horreur. Merci. Je ne peux pas te remercier assez pour être venu. Attends. Coming all of this way to help me out. Pour être venu m'aider. C'était. Pleasure trying to sell this old place. J'espère que je te reverrai rapidement. Tu n'as aucune idée à quel point je suis heureux. Tout est derrière moi, je t'aimerai pour toujours, Kate. Et l'objectif, c'était quoi? Ah, on peut supprimer la cam le truc de caméra, d'accord. Search for clues of Kate's disappearance. D'accord. Ah, comme d'hab dans les jeux d'horreur, hein, j'ai pas beaucoup parlé. Puisque j'ai peur, tout simplement. Je me dis que le son est peut-être encore un poil trop fort pour moi. Voilà. Ah bah là, j'ai carrément le plus son du jeu. Ah! D'accord, ok, attendez, c'est buggé du cul. Si je le mets là, normalement il devrait être au niveau de la première. Peu près, tu vois. Ça reste super fort. J'ai récupéré une clé. En plus, il y a un bruit de fond en permanence en mode bon. Non, 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 non. Hop là. Je crois que j'ai jamais vu de lampe de ma vie qui avait cette option-là. Non mais... T'as fait un pas la porte dans la gueule, ouvre-la mieux. Après, bon, c'est Slender. Je sais à quoi m'attendre. Ah ah, bonjour. Ok, donc il est là. Il est là, il est là, il est là. Il m'a fait des petits picotis à l'arrière de la tête. Ah, sauf que bon, moi je vois ça, mon current goal c'est me barrer.
and you see it. Putain. Oh ta mère. Escape. What is it? Apparemment là-haut c'est safe. J'ai récupéré. Faut pas crier comme ça, madame. Il est où le scrapbook, vous savez? Parce que ça me parle de scrapbook depuis tout à l'heure là, mais. Je ne sais pas. Oh, putain, la connasse qui crie. Si c'est ça, c'est sa gamine ou je sais pas quoi là. C'est l'espèce de grudge là. Mais là, il faut que je sorte, il faut que j'aille là-bas. Ah, j'ai pas envie. Par contre, s'il commence à y avoir des vrais bruits dans mon appart, ça va pas le faire là. Là, ça va vraiment pas le faire. Oh, putain. Ah, mais ta mère. Faut que je fasse tout le putain de tour. Ah. Comment ça, deux? Merci pour avoir appelé la dernière nuit. It's probably sound damp. C'est probablement rien. Mais c'est bon d'entendre ta voix à nouveau. C'est bon d'entendre que Lorraine va bien elle aussi. But about what Louis say? Je suis pas sûr. I'm not sure what to think of the yet. Je suis assez mauvais en anglais, hein. What are the... Pourquoi des personnes différentes? Pourquoi deux personnes qui n'ont rien à voir entre elles ont eu la même hallucination? Est-ce que ça peut être juste une coïncidence? Je dois aller voir mon médecin aujourd'hui pour un check de routine. Donc, j'essaierai de lui en parler pour voir ce qu'il en dit. CR. C'est qui CR? Comme ta gueule. Alors c'est pas un let's play, hein. C'est vraiment un épisode one shot. Oh, il y a eu un petit temps de chargement. Déjà que j'avais eu du mal à faire Layers of Fear. En vrai, Layers of Fear, ça a été. En plus. Oh putain. Layers of Fear, ça avait été. Mais d'autres jeux comme Sick or Die, par exemple, donc l'épisode 8. Oh, j'avais eu tellement peur. J'aime pas avoir peur. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça? Eh ben je sais pas, les jeux. Putain, la musique a changé. Je sais pas, écoutez, les jeux d'horreur ça a quelque chose de fascinant. C'est quelque chose qui me fascine. Vous voyez, moi je fais partie de la gamme de personnes qui croient aux fantômes. Mais qui aimerait ne pas y croire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est des forces qui. Avec lesquelles on ne peut pas interagir, avec lesquelles on ne devrait pas interagir d'ailleurs. Et c'est des forces que. Si on entre en conflit avec elles, bah on est baisé en fait. Genre, on se fait défoncer. Comment ça? Comment ça, Pfeut? Il est où?
Après, il y a un film Slenderman aussi que j'aimerais bien regarder, mais hors de question que je le regarde seul. J'essaie de prendre des potes avec moi et on verra bien. Donc ouais, mais bon, donc là j'y crois. J'aimerais ne pas y croire. Et regardez-moi ce fils de pute là-haut là. J'aimerais ne pas y croire. Mais ça reste quelque chose qui me fascine relativement. Pourquoi ça me fascine? Eh bien, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. J'aime bien regarder les vidéos, vous savez, les mecs de chasseurs de fantômes. Alors, papa, il y en a certains, je trouve ça bullshit, d'autres, j'aime vraiment bien regarder. Je dirais pas qui je trouve bullshit par respect. Et ceux que j'aime bien, bah, je dirais Gus DX, que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pour le reste, voilà, je pense que j'irai jamais faire du urbex de ma vie. Enfin, du urbex, si, pourquoi pas. Des séances de Ouija ou trucs comme ça. Ah, bande d'enfoirés d'oiseaux de merde. Des séances de Ouija ou machin chouette, jamais je ferai ça de ma vie. Il est là où il est. Et moi, ce bâtard. Je te vois, hein. Je te vois, hein. Je sais que t'es là. Barre-toi! C'est que je te filme là. Il va me tuer. Oh, je le sens tellement pas. Nique-toi! Pars-toi, je sais que tu m'observes là, casse-toi. Ah, faut pas que je tombe. Il me fait stresser ce connard. Alors je sais pas si cette vidéo est très pertinente de faire ça sur l'intro. À la base, je comptais faire ça sur la partie des 8 pages. Mais je me dis que... why not? Oh non, ça je m'en souviens. Oh non, 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 ça je m'en souviens. Ah, il était quelque part, je sais pas où. Oh non, la maison, je m'en souviens. Un problème notoire avec les jeux d'horreur, c'est que j'ai toujours peur que ça me pète les oreilles. Qu'est-ce qu'il y a pas avec cet endroit? Qu'est-ce qui nous arrive? Pas de réponse. Pas de réponse nulle part. Est-ce que je deviens fou? Cette chose que j'ai vue la nuit, je sais pas ce que c'est. Depuis que Charlie a disparu et Diane est partie, je crois que j'ai atteint le breaking point, genre le point où on craque. Je continue à regarder. Je l'entends parfois. Ce petit rire, on dirait un enfant de 9 ans. Non, c'est pas du tout ça qui est marqué, c'est pas grave. Putain. Non, c'est bon. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Ah, pour être franc avec vous, de mémoire, je me souvenais qu'on se faisait scrimer la gueule par une gamine. Mais je crois que je dois confondre deux jeux. Ou de moments. Possible aussi ça.
J'aime pas que la vidéo soit trop longue, alors. Tu me guides ou ça se passe comment là? Ouais, par contre, là, je suis paumé là. Je suis allé où? Vous croyez que j'ai raté quelque chose dans la baraque? Ah mais il s'est RTP là-bas. On voit sa tête blanche là. Je dois aller par là. Ah j'ai raté quelque chose dans la baraque. Mais tu fous ma gueule ou quoi? Arrête! J'ai tous les putains de poils de mon corps qui sont hérissés, quoi. Il est remonté là ou pas? Mais elle éclaire que dalle, cette lampe torche de merde! Ça, c'est du matos chinois, ça. Donc j'ai... Oh putain. Faut que j'aille la voir ou... Mais comment j'y vais? Connasse! Comment je passe? Là, il y a le mob là. Allez, vas-y, scream-moi la gueule, vas-y, vas-y. Là, je viens vers toi en courant. Regarde, vas-y, 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 vas-y! Ah, espèce de pute! Oh putain! C'est là-bas le save point. Oh, j'ai le cœur qui bat tellement vite, je l'entends dans mes oreilles. Et je fais quoi maintenant? Je sais plus. Bah écoutez. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, hein. Ouais, c'est lui qu'on voit là-bas. Bon, écoutez, je pense que pour une reprise, c'est pas mal. Allez, on va dans l'eau. Non, je pense que pour une petite reprise d'Error Quartz Knight, c'est sympa. Donc, écoutez, je vais vous faire deux gros bisous. Et je vais vous dire à la prochaine pour la suite de ce mois de l'horreur. Bye bye!